Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer un bon moment en vous installant bien tranquillement et en vous détendant en écoutant une nouvelle histoire concernant le paranormal sur cette chaîne. Donc comme vous l'aurez compris, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, lit, canapé, fauteuil, enfin où vous voulez, où vous êtes le mieux installé possible, couché, allongé, c'est selon votre envie, avec une boisson de votre choix et peut-être quelques petites choses à grignoter si jamais vous avez une petite faim entre deux. Et normalement, vous devrez être prêt pour pouvoir regarder ou écouter, selon votre choix, la vidéo. Alors, l'histoire d'aujourd'hui mélange en fait paranormal et histoire criminelle. J'ai découvert cette histoire sur une chaîne qui s'appelle Explora. Donc je ne vais pas vous mentir, j'ai essayé de chercher des informations sur cette affaire. Malheureusement, j'en ai trouvé très peu. Donc, pour être le plus sincère du monde possible avec vous, les trois quarts des informations, surtout en ce qui concerne la vie de la personne dont je vais vous parler dans cette vidéo, viennent du contenu de la chaîne Explora et donc de la vidéo qui a été dédiée à cette affaire criminelle. Moi, je vais vous en parler puisqu'il y a du paranormal dans cette histoire, mais ça n'empêche que je ne peux pas éviter de parler de ce qui est arrivé au final. Parce que j'ai pas envie d'être malhonnête envers vous, déjà je vous le dis, et dans un autre sens aussi, je vais aussi vous mettre en description le lien de la vidéo fait par la chaîne qui lui va vous expliquer plus de façon criminelle la chose, alors que moi je vais essayer de vous parler surtout des faits paranormaux et, comme vous l'avez vu dans le titre, du fait qu'il y a eu le mot de possession évoqué. Mais comme vous savez comment fonctionnent à peu près mes présentations de vidéos, vous savez que dans un premier temps, généralement, je vous parle de la personne en question et ensuite de ce qui fait penser à une possession, ce qui a été dit être une possession, etc. Je le rappelle, je dois toutes ces informations à la chaîne YouTube Explora, donc si vous voulez, vous pouvez aller y faire un petit tour, je l'ai dit, le lien sera dans la description. Donc ne me sortez pas, tu as pompé le contenu à tel YouTubeur, etc. Je le cite moi-même et je mets son lien pour aller directement sur sa chaîne et la vidéo concernée, puisque je n'ai pas, moi, avec mes recherches, pu trouver plus d'informations et surtout aussi détaillées que lui a pu en trouver. Comme ça, les choses sont claires. C'est quelque chose qui va être bien sûr à prendre avec des pincettes sur le côté possession, ça n'empêche que cette personne dont je vais parler, qui s'appelle Davy Darcy, s'est dit au moment de son crime être possédé ou être poussé par une force surnaturelle à faire malheureusement ce qu'il va faire et que vous allez découvrir un peu plus tard dans la vidéo, puisque nous allons d'abord commencer par raconter un petit peu la vie de cet homme. Donc pour vous présenter un petit peu David Darcy, sachez que celui-ci va grandir dans un environnement familial assez classique et banal en soi, hein, puisque ses deux parents sont fleuristes et il a un frère aîné qui a 9 ans de plus que lui. La chose qui va commencer à le troubler un peu dans sa vie, c'est lorsqu'il aura 10 ans, eh bien son frère, en ayant 19, étant majeur maintenant, a décidé de quitter la maison et ça va affecter vraiment Davy, qui va se sentir seul dans sa maison. Autre traumatisme qui va se rajouter à son enfance, c'est que son père a été diagnostiqué, donc il a une leucémie, donc il va au fur et à mesure des années voir celui-ci souffrir et subir tous les traitements qui ont lieu quand on a une leucémie. Et malheureusement, ça va profondément le marquer, parce qu'il sait très bien, malgré son jeune âge, que la leucémie est une maladie assez grave et qu'au final, ce qu'il y a, c'est qu'il risque de perdre son père. Ces deux faits, et surtout la leucémie de son père, sont des choses qui vont avoir un gros impact sur son aspect psychologique, puisque il sera vu plus tard que cela va laisser des séquelles dans la vie de Davy Darcy. C'est d'ailleurs à ce moment-là que celui-ci va commencer à parler énormément de sang.
Cette maladie va vraiment être une séquelle importante car même encore aujourd'hui, en fait, il n'oubliera jamais tout ce qui est lié en fait à la leucémie, c'est-à-dire les saignements qui apparaissent sur le corps de son père, tout le traitement lourd qu'il a dû avoir, le fait que son père devenait de plus en plus faible, fragile, qui se mettait à pleurer, puisque voilà, malheureusement la leucémie est une maladie qui est dégénérative, donc vous êtes de, entre guillemets, de pire en pire, même si j'aime pas trop dire cela, mais voilà. Il a même vu son père être porté par sa mère et son frère aîné pour pouvoir se déplacer. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va énormément le marquer. Et bizarrement d'ailleurs, en parallèle, c'est quelque part en parallèle, puisque quand il aura approximativement 11 ans, en 1984, il y a des choses bizarres qui vont commencer à arriver. Davy va voir des choses étranges qui vont se dérouler dans sa propre maison. Et il ne sera pas le seul à voir ces choses étranges, puisque sa mère aussi en sera témoin. Ce sont des choses inexplicables, surnaturelles, paranormales, selon comment, encore une fois, vous voulez le définir. Les choses dont ils peuvent être témoins, ce sont des portes clic-clac, des bruits de pas, des coups dans les murs. Et ce qui a été le plus troublant à cette époque, c'est que apparemment, il se serait fait agresser par une force invisible. David Arcy et sa mère, à ce moment-là, sont totalement terrifiés par ce qui se passe et qui devient de pire en pire. Puisque incontrôlable, c'est le principe un peu du surnaturel. Et il décide, pour être dans une maison un peu plus en paix, de faire appel à un exorciste jésuite. Le père de Davy, lui, n'est pas très croyant en toutes ces choses. Donc il ne prête pas vraiment attention à ça, jusqu'au jour où lui-même, il va voir quelque chose de paranormal. Un jour, alors qu'il était allongé sur son lit, il va apercevoir une femme en noir voilée. Et cela va totalement le terrifier. C'est à partir de ce moment-là que le père, lui aussi, va se rendre compte que des choses bizarres arrivent dans cette maison. Un autre jour, alors que Davy est seul chez lui, il va commencer à entendre des bruits de pas qui montent les escaliers. Ses pas vont alors s'approcher de plus en plus, mais quand Davy va voir s'il y a quelqu'un, il n'y a personne. Cela le terrifie tellement qu'étant seul à la maison, il se réfugie dans sa salle de bain et s'y enferme. Ce n'est que lorsque sa mère rentre chez lui, qu'elle le cherche, fatalement, et qu'elle ne le trouve pas, qu'elle se rend compte que la salle de bain est fermée à clé et que Davy est à l'intérieur. Et cela, ce sera seulement plusieurs heures après qu'ils se sont enfermés. En sortant de la salle de bain, Davy va tout expliquer à sa mère, les bruits de pas, etc., tout ce qu'il a vécu pendant son absence. Et c'est là que sa mère, à son tour, va lui évoquer ce qu'elle a vécu comme phénomène étrange. Et cela, malgré le fait que, comme je vous ai dit, ils avaient fait appel à un exorciste jésuite pour tout apaiser, mais apparemment, ça n'a rien apaisé du tout. Cela leur faisant vraiment peur, eh bien, ils décident tout simplement de déménager. Malheureusement pour eux, ce n'est pas en changeant de nouvelle maison que cela s'est calmé, car même en ayant déménagé, il va se passer aussi des événements bizarres dans leur nouvelle maison. C'était comme si, en fait, l'entité ou la chose, ou comme vous voulez la nommer, qui les perturbait quand ils étaient donc dans leur ancienne maison, c'était quelque part un peu accroché à eux et les avait suivis jusque dans leur nouvelle maison. Quelques temps plus tard, au niveau de la maladie de son père, eh bien, la mère de Davy va réussir à convaincre celui-ci d'aller voir un magnétiseur et apparemment celui-ci l'aurait miraculeusement guéri. Là, Davy, ça lui fait du bien puisqu'il pense que c'est un vrai miracle que son père soit enfin sauvé après ce qu'il a pu voir et la souffrance qu'il a pu voir de son père. Mais malheureusement, ça n'effacera pas le traumatisme qu'il a eu de le voir dans cet état-là. Puis le temps va passer, Davy va grandir, va devenir un adolescent. Mais un adolescent qui va être plutôt solitaire, sans amis, et qui va passer la majeure partie de son temps plutôt dans sa chambre. C'est quelqu'un qui a plutôt du mal à s'ouvrir aux autres, à se sociabiliser. Et c'est à ce moment-là qu'il va développer un certain look. Il va commencer à avoir des cheveux longs, à porter des vestes en cuir, il va se mettre à jouer de la musique satanique, et il va même aller jusqu'à créer un groupe de musique. Son groupe, il va l'appeler Z. Ce qui vient d'un personnage qui se trouve dans Pulp Fiction.
où ce personnage est un peu hardi, faut dire ce qui est, puisque celui-ci a des relations SM dans la cave de son magasin. Donc drôle de nom pour un groupe, mais en même temps c'est un groupe de musique satanique. Disons que là, Davy commence à partir un petit peu dans la mauvaise voie, si on peut dire cela. Il y a une autre évolution, puisque quand son père l'a amené à l'école, celui-ci en fait n'y allait pas. Il attendait que son père reparte, et lui, il ressortait de l'autre côté de l'école pour pouvoir rejoindre une voiture qui était là et qui l'attendait. Et pendant ce temps-là, en fait, il prenait des drogues douces, puis des drogues douces, il est passé aux drogues dures. Selon ses dires, c'était quelque part une manière de fuir sa famille. Cependant, quand on l'a questionné sur ce fait, il affirmait qu'il n'était pas du tout dépendant de ses drogues et que ce qui l'intéressait lorsque il utilisait celle-ci, c'était surtout le sentiment que ça lui procurait, ce fameux état de légèreté, d'ivresse. Et d'ailleurs, en parallèle des drogues, il va aussi se mettre à consommer beaucoup d'alcool. Exactement pour la même raison, quelque part, fuir la réalité. Cela lui plaît en fait, cette vie quelque part, comme on dit, de vivre sur le fil du rasoir. Puis Davy Tarsi va devenir un adulte et il va connaître sa première relation amoureuse alors qu'il a 21 ans. Enfin, relation amoureuse, tout est relatif, on va dire sa première relation tout court, puisque sa première relation se fera avec une prostituée lors de ses vacances en Espagne avec des amis. Sa première vraie relation avec une fille, ça fera un an plus tard, avec une jeune fille de 16 ans. Et bizarrement, lorsqu'il parle de cette relation, il appuie assez étrangement sur le fait que celle-ci était vierge au moment où ils étaient ensemble. On avance dans le temps, et en 1997, à ce moment-là, Davy Tarsi a 25 ans, et il va se mettre en couple avec une amie de sa mère qui a 49 ans, Evelyn. Il dit qu'il en est tombé follement amoureux. En plus, ils ont un point commun, puisque tous les deux sont attirés par tout ce qui est ésotérisme, astrologie. Donc c'est une belle rencontre spirituelle en ce qui le concerne. Au début, sa mère n'est pas au courant. Enfin, personne n'est au courant, puisque cette relation reste secrète. Mais peu à peu, ils vont commencer à se montrer et à assumer complètement cette liaison. Et vous vous doutez bien que la mère de Davy n'est pas vraiment d'accord sur le fait que cette relation existe. Davy n'a pas besoin de son accord quelque part pour fréquenter cette femme de 49 ans, mais au fil du temps, la relation entre les deux va commencer à se détériorer, puisque en fait, Davy va se mettre à boire beaucoup, peut-être même beaucoup trop. Et à peine rentré chez lui, tout ce qu'il faisait, c'était se jeter sur une bouteille. Et du coup, il y avait une tension assez palpable entre les deux. La relation va se terminer. L'année d'après, en 1998, Davy, alors qu'il sort de son travail en pleine nuit, il est à peu près 2h du matin, pour pouvoir rejoindre sa voiture, celui-ci doit traverser un parc. Cependant, lorsque celui-ci arrive de l'autre côté, il y a 3 hommes qui sont là. Ceux-ci le menacent et lui pointent une arme sur la tempe. Et malheureusement, ils vont violer Davy. Malgré tout, Davy Tarsi affirme que ce qui s'est passé ne l'a pas vraiment affecté. Ce qui est bizarre, puisque quelques temps après cet événement, qu'il dit qu'il ne l'a pas affecté, il va quand même en arriver au point de se trancher les avant-bras, sans se sectionner les veines. En fait, il dit qu'à ce moment-là, il ressentait le besoin de se défouler contre quelque chose et que de faire ça, en fait, eh bien, ça lui faisait tout simplement du bien. Amoureusement parlant, Davy va rencontrer une nouvelle personne qu'il va rencontrer dans un foyer de jeunes travailleurs où tous les deux vivent à ce moment-là. Celle-ci va rapidement tomber enceinte. Au départ, Davy n'en voudra pas. C'est au vu de l'insistance de sa compagne que celui-ci va accepter pour lui faire plaisir quelque part. Mais leur vie de couple, c'est pas vraiment ça. Surtout que cette nouvelle compagne lui interdit de pratiquer tout ce qui concerne l'ésotérisme. À ce moment-là, Davy va se remettre à boire sévèrement. Et je vous rappelle donc que sa compagne est enceinte à ce moment-là. Et un jour, quelque part, il en a un peu marre et il annonce qu'il veut la quitter. Celle-ci se met en colère. Et la compagne elle-même dira par rapport à cet événement,
Il a piqué deux crises sous l'effet de l'alcool. La première fois, il m'a pris par le cou et a réussi à me soulever avec une seule main. Je ne sais pas comment il a fait. Sachant qu'à l'époque, cette ex-compagne pesait plus de 100 kilos. La deuxième fois, Davy aurait tenté de violer sa compagne, mais elle a résisté et elle a réussi à s'en sortir, et c'est ce qui a marqué la fin de leur relation. Donc après tout ça, vous voyez là, qu'il a une vie assez chaotique entre la maladie de son père, le traumatisme que son grand frère parte, le commencer ses relations avec une prostituée, ses relations qui tournent vite au vinaigre, qui s'intéresse au satanisme, puis à l'ésotérisme, sans compter qu'il dit qu'il aime le sang, que malgré ce qu'il a vécu en sortant de son travail, il en vient à se taillader quand même au niveau des bras. C'est quelqu'un qui est assez compliqué. En plus, on rajoute à ça les drogues, puis surtout après l'alcool à profusion. C'est pas le genre de vie idéal qu'on pourrait souhaiter à quelqu'un. Il faut dire ce qui est. Puis un jour, Davy va décider de s'inscrire sur un site de rencontre et il va poster une petite annonce. Il précisera sur celle-ci qu'il recherche une femme qui n'est pas superficielle, qui aime la nature, le gothique, l'ésotérisme et la sorcellerie. C'est alors qu'une certaine Muriel va répondre à son annonce. Elle est professeure de sciences de la vie et de la terre au lycée Vauban à Luxembourg. Et elle a 4 ans de moins que Davy. Entre les deux, ça va être le coup de foudre. Pour lui, c'est sûr, cette fois, c'est la femme de sa vie. C'est la fin des relations houleuses, etc. Au départ, entre les deux, tout se passe vraiment très bien. Il n'y a plus de signes vraiment de choses bizarres, nous allons dire, de choses un peu sombres chez Davy. C'est vraiment la passion qui les unit, qui devient leur équilibre principal. Ce qui fait que tous ces démons qu'il a accumulés au fil des années, Muriel réussit à les chasser pendant un certain temps. Dans le début des années 2000, Davy va habiter avec Muriel dans une petite commune du nom de Tuquenieux, qui se trouve dans le nord-est de la France. Ils vont alors avoir un enfant, une petite fille qu'ils vont nommer Chloé. Sachant que, je vous rappelle, sa dernière compagne était enceinte, elle a eu un enfant elle aussi, et que Davy avait demandé un droit de visite pour son premier enfant. Donc il avait deux enfants. Donc de temps en temps, il s'occupait de son deuxième enfant en le recevant chez lui avec sa nouvelle compagne et sa dernière petite fille. Malheureusement, les démons de Davy, ils vont pas tarder à refaire surface puisque celui-ci va commencer à avoir des problèmes de santé assez importants qui vont l'empêcher de travailler et qui vont lui faire enchaîner arrêt maladie sur arrêt maladie. Ça devient tellement grave en fait qu'il devra se faire opérer, ce qui fait que ça rajoute encore des mois d'arrêt maladie. Et donc niveau financier, ça va être une période très compliquée pour le jeune couple. Ce qui n'empêche pas Davy à se remettre à consommer de l'alcool et donc à dépenser de l'argent qu'ils n'ont quasiment plus. À ce moment-là, en désespoir de cause, le couple va emprunter de l'argent aux parents de Muriel pour pouvoir s'en sortir. Davy va alors se disputer violemment avec son beau-père, donc avec le père de Muriel. Il est assez colérique et l'alcool, tout ça n'aidant pas, il faut dire ce qui est aussi. Mais une fois que la scène est passée, il s'en veut terriblement de s'être comporté comme ça. Il s'en veut tellement en fait qu'il va en arriver à avoir une sorte de dépression face au comportement qu'il a eu vis-à-vis de son beau-père. Ce qui fait encore un nouveau traumatisme de plus. Davy va alors aller dans un institut de rééducation, pas par rapport à ses énervements, mais par rapport à son opération, etc. Et lorsqu'il en revient le 15 avril 2011, c'est là que celui-ci va commencer à ressentir comme une entité démoniaque qui se situerait au niveau de son épaule gauche. Il dit que cette sensation était presque palpable et que plus le temps passait en fait, plus cette sensation était de plus en plus forte. À ce moment-là, il n'ose pas vraiment parler parce qu'il a tout simplement peur d'être pris pour un fou. Et bizarrement d'ailleurs, c'est à partir de cette période que tout ce qu'il avait un peu oublié avec Muriel, c'est-à-dire l'ancienneté entre guillemets de son groupe satanique, le fait qu'il aime le sang, etc., ça va revenir d'un coup puisqu'il va commencer à avoir des visions macabres qui vont arriver. Dans ses visions, il se voit tuer sa femme. Il essaie bien sûr de repousser ses visions parce qu'il sait très bien que ce n'est pas bien et qu'il n'a pas envie de tuer non plus sa femme ou qui que ce soit d'autre.
Mais il n'y a rien à faire. Ces visions, elles reviennent sans arrêt, tout le temps. Il se voit tuer sa femme, la torturer. Et ce qui est bizarre, en fait, c'est que ça l'excite de plus en plus. Et que ces fâches morbides, eh bien, au lieu d'essayer de les chasser, au fur et à mesure, il va décider de les écrire et d'en faire des chansons. Mais comme il n'en parle à personne, quelque part, personne ne peut prévoir ce qui va arriver. La présence démoniaque qui l'accompagne est toujours avec lui. D'ailleurs, Davy est persuadé que c'est bel et bien un phénomène paranormal ce qu'il vit et qu'il sent bien dans sa chair cette sensation, ce personnage démoniaque qui ne le lâche pas. Cependant, cette fois-ci, il se décide à ne pas se voiler la face et ne rien dire à personne. Et il décide d'essayer de trouver une solution en allant voir le médecin et en lui expliquant ce qu'il vit. Il lui raconte ses soucis de santé et ses idées noires, notamment ses visions. Par rapport à ça, les médecins vont alors lui donner un traitement avec du lexomil, de la paroxétine et du zolpidem. En fait, si vous voulez, tout simplement, ce sont des anxiolytiques, des antidépresseurs et des somnifères. Donc à ce moment-là, il considère quand même quelque part que Davy est dans une grande dépression. Malheureusement, malgré les traitements que vont lui donner les médecins, cette petite entité démoniaque sur son épaule gauche est toujours là et les visions morbides continuent. D'ailleurs, cette entité démoniaque est de plus en plus pesante, elle se fait de plus en plus ressentir. Mais là encore, par rapport à ça, il continue de ne pas vouloir en parler, toujours pour la même raison, de ne pas passer pour un fou. Il va même commencer à avoir des pulsions qui vont monter en lui de temps en temps. Et ces pulsions deviennent très graves puisque elles lui amènent à prendre des couteaux, comme s'il allait vraiment attaquer sa femme. Mais au dernier moment, il a toujours un petit sursaut, on va dire, un moment de lucidité qui fait qu'il n'agit pas. Et sa femme se doute de rien puisque, vu qu'il parle à personne de son état, eh bien quand il a ces impulsions comme ça, si sa femme ne le voit pas, il peut très bien aller voir celle-ci juste après, comme si rien ne s'était passé, que tout allait bien. Malheureusement, un jour, l'impulsion va être plus forte que les autres. L'entité démoniaque que Davy Tarsi dit avoir sur son épaule gauche et qui donc le possède quelque part, lui fait comprendre de plus en plus fortement que les visions qu'il a, il doit les mettre en pratique. Le 5 juin 2011, le soir, Davy Tarsi boit 3 verres de pastis et 1 verre de vin pour l'apéritif. Cependant, quelque part, il a tellement l'habitude de boire que cela ne le saoule pas. Il part aller fumer une cigarette à la cave, pendant que sa femme, Muriel, elle, s'occupe de donner le biberon au petit bout de chou, Chloé. C'est lorsqu'il est en train de fumer sa cigarette qu'il va perdre totalement le contrôle. Il va se mettre à trembler et il va sentir que quelque chose monte en lui. C'est à ce moment-là qu'il se met à entendre une voix dans sa tête. C'est une voix qui va le pousser à passer à l'acte. Elle le galvanise. C'est quelque chose de bien plus fort que d'habitude qui lui dit que s'il ne le fait pas aujourd'hui, il ne le fera jamais. Pour la première fois, Davy va céder à cette petite voix, cette entité démoniaque. Il va remonter et foncer droit sur sa femme. Celle-ci a peur. Elle a la petite Chloé dans les bras. À ce moment-là, Davy lui donne un coup sur la tête avec une lampe torche, puis il va la poignarder à plusieurs reprises, avant de la laisser agoniser sur le sol. Il est totalement dans un état second, toujours apparemment guidé par cette voix, comme il le dit lui-même, cette entité sur son épaule. Il ne peut pas s'arrêter, c'est trop tard maintenant. Il va alors s'en prendre à la petite Chloé. Il va l'étouffer dans sa gigoteuse. Pendant toute cette période, sa première fille, elle, se trouve à l'étage. Pour l'instant, Davy n'y pense pas. Chose bizarre, il se dit que, comme il adore sa fille, il n'a pas envie qu'elle souffre et il veut donc que sa mort soit rapide. Alors, il arrête de l'étouffer, il prend le couteau et il poignarde sa petite Chloé à 13 reprises. Malheureusement, les deux vont mourir. C'est à ce moment-là que Davy Tarsi se rappelle que sa première fille se trouve à l'étage et qu'il commence à monter les escaliers pour la rejoindre. Comme je vous le disais, elle ne se doute de rien et elle n'a pas vraiment entendu ce qui s'est passé. Davy est bien déterminé à se rendre à l'étage dans l'objectif de tuer la dernière personne qui se trouve dans cette maison. Il arrive dans la pièce où se trouve celle-ci, mais là il ne va pas la tuer. Mais quelque part, ce qu'il va faire ne sera pas mieux puisqu'il va abuser de sa propre fille.
Quelques minutes plus tard après tout cela, il va ressentir comme une sensation étrange. Il va s'écœurer lui-même quelque part, être écœuré par la situation, et il va décider de faire descendre sa fille au rez-de-chaussée. Du coup, imaginez-vous que, à ce moment-là, Muriel et le bébé ont été poignardés, qu'il y a du sang partout, et il fait descendre sa fille qui a 6 ans à l'époque et qui se trouve confrontée à tout ça. Les policiers, les pompiers vont alors arriver et vont retrouver le corps de Muriel, 33 ans, et de Chloé, 15 mois, poignardée de plusieurs coups de couteau. Quant à David Arcy, lui, il va être retrouvé complètement nu et inanimé. Le plus choquant dans sa découverte et qui va beaucoup marquer, c'est qu'ils vont le trouver dans une mare de sang. Mais comme vous pouvez vous en douter, aussi macabre que cela soit-il, c'est que la mare de sang dans laquelle il se trouve n'est pas le sien, mais celui de sa fille et de sa femme. David Arcy va alors être mis en examen le 8 juin pour homicide volontaire et il sera placé en détention provisoire. Il reconnaîtra lui-même avoir tué son épouse et son bébé dans la soirée du 4 juin à Tukenyu. Plus précisément, au terme de sa garde à vue, David Arcy sera mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et par ascendant, agression sexuelle par ascendant, viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Lors de ces auditions, comme pendant la reconstitution qui aura lieu dans la maison où s'est passé le drame, David Arcy ne changera pas de version. Il explique qu'une voix, donc sa fameuse entité démoniaque, lui avait dit de commettre l'irréparable, ce soir justement du samedi 4 juin 2011. Plusieurs experts et psychiatres vont analyser David Arcy pour essayer de reconnaître s'il était tout à fait conscient de ce qu'il était en train de faire ou pas du tout. Ce ne serait pas le premier à dire qu'il était possédé ou que le diable lui aurait demandé de faire ces massacres. Il y a eu d'autres histoires, malheureusement, qui sont arrivées ainsi. En tout cas, un des experts dit qu'il n'arrive pas à expliquer ce qui a pu déclencher cette folie. Mais il évoque quand même la possibilité qu'il y ait un stress important qui serait lié à ses problèmes personnels et à un sentiment de frustration. Tout ça combiné à tout l'alcool que Davy pouvait boire. Selon d'autres, une frustration ne conduit pas à de tels actes. Maître Thomas Kramer, qui est avocat de la défense, dit « De même, le client a ingurgité massivement de l'alcool après les crimes. » À ses yeux, donc, de maître Thomas Kremser, la question de l'altération ou de l'abolition du discernement, eh bien, se pose. Est-ce qu'une personne normale aurait pu faire ça? Quelque part, David Arcy a toujours déclaré qu'il avait entendu une voix, qu'il avait une petite entité démoniaque sur son épaule gauche, qui à ce moment-là aurait pris le dessus, l'aurait totalement possédé, et que c'est sous son impulsion qu'il aurait fait ce qui est arrivé. Donc, que ce sont ses forces surnaturelles démoniaques qui auraient amené ce drame. Mais pour la majorité des experts psychiatres et psychologues qui ont pu discuter avec David Arcy, lorsqu'ils sont venus témoigner à la barre lors de son procès, ils ont clairement dit que le discernement de Davy n'était pas du tout altéré lors de la nuit du 5 juin 2011, lorsqu'il a tué sa femme et sa petite de 18 mois. Davy sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Tout cela associé d'une peine de sûreté de 22 ans et d'un suivi socio-judiciaire perpétuel. On sait que, et surtout quand c'est dans ces cas-là, il y a très peu de gens qui croient à tout ce qui est fantôme ou entité démoniaque. Mais il ne faut pas oublier, je ne dis pas que ce qu'il dit est vrai, il ne faut pas oublier que dans sa jeunesse, David Arcy a vécu des phénomènes paranormaux. Et qu'il n'a pas été le seul, puisque sa mère et son père ont été témoins aussi de ceci. Et le père, qui n'y croyait pas au départ, a finalement pu observer lui-même un de ces phénomènes et donc affirmer qu'il y avait bien des phénomènes paranormaux. Puis après, Davy s'est mis à s'intéresser au satanisme, à l'ésotérisme, etc. Donc à participer à certaines pratiques occultes. Est-ce que quelque part, le fait de faire tout ça n'aurait pas ouvert une porte vers quelque chose de plus sombre et puissant? Et que c'est lui-même, en fait, qui a ouvert cette porte avec ses pratiques occultes, ce satanisme, toutes ces choses, l'ésotérisme, etc. Est-ce que ce serait pas lui-même qui aurait attiré l'attention de ce fameux démon qu'il disait être sur son épaule et qu'il dit
que c'est lui qui l'a poussé à tuer sa famille? C'est une question qui peut se poser. Judiciairement parlant, l'affaire est réglée puisque on dit que le discernement de Davy n'a pas du tout été altéré, donc il voulait juste essayer de se faire passer pour fou, mais que ça n'a pas marché. Comme c'est souvent le cas, généralement, dans ces histoires, hein, comme le fils de Sam, ou bien encore quand ce qui s'est passé à Amityville, par exemple. Et il y en a un autre aussi, mais dont je parlerai dans une autre vidéo, qui a amené aussi, malheureusement, à un drame, où eh bien, des fameuses petites voix, des sentiments de possession, ont amené au pire. Donc après, est-ce que ce qu'il dit était vrai? Est-ce qu'il s'est trouvé juste cette excuse pour justement, comme certains disent, se faire passer pour fou et puis quelque part éviter d'aller en prison? Ça, c'est la grande question. De toute façon, c'est clair que durant toute sa vie, malheureusement, il a plus été du côté du mal que du bien. Si on doit mettre des mots vraiment là-dessus. Après, je comprends que c'est difficile à concevoir que quelqu'un puisse dire qu'il a été, entre guillemets, possédé par une entité démoniaque qui l'aurait poussé à tuer des gens. Je comprends totalement. Mais comme c'est quelque chose de très compliqué, généralement on ne sait pas que croire, et c'est vrai que de dire bah, peut-être que c'est possible, ça en choquerait plus d'un. En tout cas, cette vidéo, vous l'aurez compris, reste malheureusement... Déjà, normalement, c'est flippant la possession à la base, mais là, ça en devient tragique et triste au final. Je pense, à moins d'avoir vu la vidéo donc, de ce fameux youtubeur sur sa chaîne Explora, que vous ne connaissiez pas cette histoire de cette prétendue possession qui aurait amené au meurtre d'une femme et d'une enfant ou d'un bébé, on peut dire clairement un bébé de 18 mois. Est-ce que vous pensez, vous, que la possession peut amener ce genre de choses? Est-ce que vous pensez qu'en effet, David Tarsi peut possiblement dire la vérité et qu'il l'a eu comme une entité démoniaque qui l'a poussé à passer à l'acte? Ou est-ce que tout ça, il l'a juste inventé et qu'il n'a pas été possédé du tout? Vous avez le droit de me donner votre avis, hein. L'espace commentaire est fait pour ça. Je voulais parler de cette histoire quand je suis tombée sur sa vidéo, puisque même si je savais que bon bah, j'avais pas beaucoup d'informations et que je devrais utiliser beaucoup les informations que le youtubeur en question a trouvées, mais ça me tenait à cœur quand même d'en parler, parce qu'on parle beaucoup des possessions dans le sens Annise Michel, ou comme on l'imagine dans le film L'Exorciste, qui fait référence à Rolando, comme on dit généralement, même si on sait maintenant son vrai prénom. Mais malheureusement, il y a des affaires aussi comme ça, où eh bien, on dit que, du moins, les personnes faisant ça, comme David Arcila, ou comme le fils de Sam, ou encore d'autres, disent qu'ils étaient possédés par une entité démoniaque qui les a poussés à agir. Ça existe, c'est terrible, c'est tragique, c'est triste. Mais il fallait quand même bien en parler, puisque on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. En tout cas, j'espère que malgré quelque part la lourdeur de la vidéo, celle-ci vous aura plu. Encore une fois, ne venez pas m'attaquer dans les commentaires. J'ai répété à plusieurs reprises d'où me venaient les trois quarts des informations. J'ai cité donc la chaîne Explora. Comme j'ai dit, si vous regardez dans la description, il y a le lien de sa chaîne, il y a le lien de la vidéo qui m'a servi à vous faire celle-ci. Donc comme vous voyez, je suis totalement transparente avec vous là-dessus. Mais comme ça concerne une possession et que... Enfin, une possible possession, disons-le clairement, je me devais d'en parler sur la chaîne, mais n'ayant pas beaucoup d'informations, ben, j'ai pris les informations où j'ai pu en trouver. Voilà. Donc je remercie d'ailleurs ce youtubeur d'avoir fait cette vidéo, puisqu'il a trouvé beaucoup d'informations que moi je n'ai pas trouvées. Mais j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir utilisé ces informations pour faire une vidéo. Mais voilà, quoi qu'il en soit, vous pouvez me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Répondre à certaines questions que j'ai soulevées dans la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez tout simplement de cette histoire, possession ou pas possession, est-ce que vous croyez que cela est possible de se faire posséder et que l'entité démoniaque qui vous possède amène jusqu'à vous faire tuer des gens. Vous pouvez vous exprimer, il n'y a pas de souci tant que vous restez poli et respectueux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous avoue que c'était une vidéo assez compliquée à faire, donc vous voyez que l'enthousiasme n'y est pas des masses non plus, là. Enfin voilà, tout ce que je souhaite, c'est que cette vidéo vous aura pas trop miné le moral non plus.
Si vous avez apprécié malgré tout, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce en l'air ou un petit like. Si vous débarquez sur cette chaîne, je vous rassure, il n'y a pas que des vidéos qui sont assez plombantes au niveau du moral, puisque pour le coup, là, ça l'est un petit peu, je l'avoue. Ça n'empêche que ça reste une vidéo concernant le paranormal et que c'est le sujet principal de ma chaîne. Donc si vous aimez tout ce qui est, par exemple, OVNI, maison hantée, cryptide, SCP, creepypasta, légende urbaine, créatures fantastiques, mythes, etc., vous pouvez voir dans les playlists, il y a différents sujets que j'aborde sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas, si tout cela vous intéresse, à aller sous la vidéo et à cliquer sur le bouton s'abonner. Et si vous l'avez fait, vous avez aperçu une petite cloche qui est apparue. Et bien avec celle-ci, vous pouvez tout simplement cliquer dessus et choisir recevoir toutes les notifications liées à la chaîne, ce que je vous conseille fortement. Comme ça, dès qu'une vidéo est publiée sur la chaîne, hop, vous avez une petite notification qui débarque sur YouTube pour vous dire que la Bibliothèque du Surnaturel a publié une vidéo sur sa chaîne. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous arrivez directement sur ma vidéo et vous pouvez en profiter. Et toutes ces petites choses mises bout à bout, eh bien, ce n'est que du positif pour les petits youtubeurs que nous sommes. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez aussi partager cette vidéo partout où il est possible de le faire. Que ce soit de manière orale, comme de manière... Je réduis ça au mot informatique, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, comme d'habitude. Mail, site, blog, réseaux sociaux, et tout ce qui est possible de faire pour partager les vidéos, ou bien même la chaîne en elle-même. Eh bien, je crois malheureusement que je vais devoir, en tant que gardienne de la bibliothèque, fermer les portes de celle-ci sur cette triste histoire et de vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye !